Alors, comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marc. J'ai des sautes d'humeur. Ça va passer. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchu. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt au Maldives. Ah, moi, tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. Mon mari a réservé dans une autre agence un séjour aux Maldives. Malheureusement, nous avons eu un décès dans notre famille et nous sommes contraints d'annuler. Il y a un problème? Il ne me trouve pas. Bah bon, pourtant on est là. On passe tous par des phases, tu sais bien, et puis ça repart. Là, je te promets, c'est plus une période. C'est ma vie. T'as vu comment tu regardes ma fille? Elle te plaît, c'est ça? Quoi? T'as tes règles ou quoi? Des femmes au bord de la ménopause dans votre genre archi gris que plus personne ne baise, j'en ai rencontré pas mal. Mais vous savez, moi aussi j'en ai vu défiler des petites connes arrivistes dans votre genre que tout le monde baise. Vous croyez que vous êtes très original? C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. Ah mais je suis pas du tout désagréable, hein. Tu peux pas comprendre, toi tout va bien. En plus ta fille elle est moche.